Et c'est donc la cinquième partie qui commence, la cinquième partie de ce Let's Play sur Légende Pokémon Arceus. Je dis ça surtout pour les gens qui nous regardent sur YouTube, puisque en live ça fait 6h31 qu'on est ensemble. Non, parce qu'au final il y avait la première partie avant et j'avais coupé, mais bref. On en était donc à faire encore quelques aéropiqués avec Étourvol avant de se rendre dans les ruines pour avancer dans l'histoire. Donc là on va avancer maintenant, hein, clairement on va faire ça assez soon. Et sur le passage, attends, je vais quand même mettre une... Enfin, je vais soigner mon Étourvol pour être tranquille, parce que j'ai pas envie qu'il se prenne un KO, parce que les rappels... C'est quand même plus onéreux. Longue pause, je me rends pas compte du temps que j'ai pris. Je sais pas du tout. Mais c'est vrai que par rapport au temps de stream, ouais, c'est pas forcément... pas forcément très long. Hein. Encore et encore. Merci Zay pour le 14e mois de sub. Merci beaucoup, merci d'avoir. Est-ce que je peux choper le Cradopo de là? Je suis peut-être trop loin du poké. Ouais. Oh, attends. Attends, c'est Cradopo qui me voit là ou... Non, c'est un autre Pokémon qui met un grand. Il m'en reste plus beaucoup d'aéropiqué d'ailleurs. Et j'ai pas de Bémépo sur moi, c'est pas un objet que j'ai farm. C'est vrai que les Bémépo c'est un objet qui te permet de partir. Oh, c'est des Fantominus, ils sont tellement moches de loin. Oh mon dieu. C'est vrai que quand on a vu le sac de nœuds en étant pas si loin. Pour certains autres Poké, genre Fantominus, il y avait de quoi s'inquiéter quand même. Hein. 5 sur 6. Et Fantominus aussi. Ah, il a la même animation que Baudrive. Mon dieu, non, mais là, on est vraiment sur N64 là. Non, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, messieurs. Oh, le pauvre, il a vraiment mangé chaud. Hein. Encore combien là? J'ai encore 2 pp. Si on peut boucler ça. Into niveau 34. Checkons. Il faut que j'en fasse encore 4. Ok, j'ai pas les pp pour ça. Et je. Non, c'est des BCRIS, j'ai pas de Bémépo. Mince. Bon, on peut revenir au... Bon, j'ai qu'à avancer ici. Et à revenir au campement. Et comme ça, je peux repartir vers les ruines. Elles étaient très proches du campement. Voilà, je claque le dernier. Nickel. Du coup... Attends, il y a un pactage là. Je vais aller le chercher. Je vais aller le chercher parce que les points de... De comment ça s'appelle? Les points de bonne action. Attends, what? Non. Plus. Les points de bonne action, ça me permet d'acheter pourquoi pas la peau métal pour avoir 6 Aiox. Oh, 3 fragments de fer! Oh, nickel! Pour des Super Balls? Très très bien ça. Oh, un Pachirisu Evil! On va pas utiliser Étourvol pour ça. Hein. Peut-être envoyer Typhlosion d'abord. Merde, je l'ai pas touché, du coup je l'ai pas pris par surprise. Et on pourrait faire fauchage avec aïe. Attends, on va faire lance-flamme et on va voir comment il s'en sort. Ah merde, j'aurais peut-être dû tenter Piétisol. Pour voir si j'aurais pu attaquer une deuxième fois. Là avec la para, je sais pas trop quoi penser. On peut, je pense qu'on tue pas hein. Si on a fait ça avec lance-flamme. J'ai rien dit. J'ai absolument rien dit. My bad. Dommage. Putain, j'en ai 10 de ça mais je sais pas encore sur qui j'utilisais. Bon, on va aller soigner tout le monde de toute façon après. Non, j'ai dit que je voulais trouver le pactage et... Attends, mais je sais pas par où il faut passer. Hein. J'en ai aucune idée. Oh, attends.
J'arrive pas à savoir là où c'est des reliefs. On peut pas s'enfoncer par là. Hein. Ah, attends. Ah bah c'est ça pour craft les plume balls du coup. Ah bah j'en veux bien. Parce que j'en ai juste récupéré comme récompense de quête ces items là. Tu connais la technique de give? Quoi? T'as invoqué Voldemort aussi dans ton message. Ok, bah super, je me suis extrêmement bien pris. Nice. Bon, là, on a fait pas mal de nouvelles espèces. Donc, on devrait monter 4 étoiles. Hein. Attends, mais par où je peux passer pour aller chercher le pactage là? Parce que si je vais par là. Ah, tiens, il y a un feu follet là-bas. C'est le premier que j'ai trouvé du coup sur la map. Bon, Spectrum, ça va, il s'en sort bien. Mais j'ai plus d'aéro piqué. Attends, parce que là, je sais pas où il va pop. C'est toi, il va pop en regardant vers moi. Ouais, pas très loin, ouais. Oh, Roselia. Pas besoin de faire évoluer un rose bouton pour valider la quête. Allez, rentre, s'il te plaît. Excellent. Très, très bien. Pourquoi il boxe dans le vide? On y croit ou pas? Ah, j'aurais dû viser le dos, je suis bête. Nice. Non, le terme qui... Le terme n'a pas employé, encore employé. Bah, la plume ball, je sais pas, c'est la même chance de capture que la pokéball. Et là, sachant qu'il était quand même proche, j'avais plutôt confiance en mes capacités à lancer. Merde. Attends, le feu follet, mais... Ah merde, on n'est plus la nuit, il a disparu. Non. Attends, on va mettre un point sur la carte. Oh non, la gueule. Comment on peut... Vas-y, je vais mettre des étoiles pour ça. Oh non, la gueule, non. Vas-y, je suis dévasté, il va falloir que je revienne là. Ok. Ah merde, j'ai oublié qu'il y avait un Pokémon dans l'arbre. Bah, Damoclès, ça paraît peut-être un peu beaucoup. Ah, on fait tout juste 50... Enfin, on fait tout pile 50%. C'est vraiment pas pratique. Bah, à coup, Super Bowl au pire. Hein. Je me rappelle pas du tout du taux de capture de Pachirisson. Ça va, ça rentre. Oh, des bébés beaux. Oh, comme c'est pratique. 10 d'un coup. Attends, mais c'est génial. Sur aéropiqué, et on va pouvoir valider ça. Oh, excellent. Oh, c'est la meilleure nouvelle. Très, très bien. Si ça rentre pas, c'est pas très grave. Attends, mais je l'ai encore vu. Ah non, même deux jours, on peut les avoir. Ah non, même deux jours, on peut les avoir. Ok. Ah non, parce que s'il faut qu'on soit forcément de nuit, c'est horrible. Ah, et on connaît le nombre de flammes par zone aussi. D'accord. Ah, mais c'est comme pour les topiqueurs, en fait. Oui, c'est vrai qu'ils avaient fait ça avec les topiqueurs. Hein. Ah non, c'est 30 pour Luxray, je me rappelais pas de ça. Attends, je voulais faire quoi, là, dans mon sac? Je voulais... Je sais plus. Je sais plus ce que je voulais faire dans le sac, là. Attends, mais j'en avais attaqué plein, aussi. Ça va être un problème. Mais Luxio... ouais, j'ai des moves à utiliser, au final. J'aurais peut-être dû commencer par Luxio. Oui, là, ce que je voulais faire... Non, oui, non, c'est pas dans le sac que je devais aller. Je voulais, tout simplement, utiliser encore des aéropiqués avec Étourvol, tout simplement. Oui, y a pas de talent, j'ai pas peur de pose sport.
J'ai plus peur qu'ils prennent la fuite. C'est un peu plus dérangeant. Ouais, là, il est pas pris par surprise. C'est... Bon. Il n'y a pas besoin de se faire taper dans le dos pour qu'on soit surpris, quand même, je trouve. Il n'y a pas d'IV dans le jeu. Il n'y a pas de mécanique d'IV. Ni de V d'ailleurs. Enfin, pour les IV, hein, il me semble pas. Et pour les EV, je suis sûr que non. Allez, go finir ça pour étour vol. Histoire qu'on ait un bel étour raptor. Le chop évolué, bah c'est pareil. Je vais faire comme pour. J'ai fait pour Hérisson de Furisson. J'attends de terminer les quêtes. Et je crois qu'il n'y a que morsure. Non. Mais il y a plusieurs moves pour lui. Je vais vérifier. Et tour vol. Aéropiqué, c'est bon. Je viens de faire la 25e. Très bien. Donc ça, c'est réglé. Et Luxio. Il faut que je fasse morsure et croc éclair. Ok. Putain, 40 croc éclair. What? Oh, c'est énorme. Oh, j'ai pas besoin de lead avec, cela dit. 40 crocs éclairs. Ok. Et tour vol, bah, dès qu'il peut évoluer, on l'évoluera. Faudra trouver des pokés qui faut battre en faisant des attaques électriques. On va devoir spam une attaque imprécise de faire 40 fois. Je sais pas si quand on loupe l'attaque, ça compte ou pas. Ça me dérange pas. Pourquoi il y a des cases rouges avec des flèches sur le Pokédex? Je sais pas à quoi ça correspond, ça. Je ne sais même pas. Faut faire des morsures aussi. C'est peut-être un meilleur client pour morsures que pour croix éclair. Excellent. Ok, bon, ça me va. Je pense quoi de Typhlosion de Isui? Bah, je pense que quand il a pas ses flammes sorties, c'est horrible. Mais sinon, ça me dérange pas. Hein. En fait, s'il avait tout le temps ses flammes sorties, ça dérangerait personne, je pense. Je dis pas les gens préféreraient cette forme-là à la forme d'origine. Et c'est vrai qu'il a une posture un petit peu particulière. Et du coup, le pactage, attends, mais... Attends, ça, on va virer, parce qu'au final, j'ai récupéré le feu follet. Non, il n'y a pas de leak Pokémon dans le jeu. Est-ce que je peux réussir à sauter ça en arnaquant la physique du jeu? Ça m'arrangerait pas mal quand même. Hein. Non. Et je vais me noyer. Ok. C'était une mauvaise idée. Non, t'as pas besoin de faire les quêtes pour évoluer le poké. Mais disons que chaque espèce de poké a des quêtes qui lui sont propres. Et du coup, si je veux faire les choses à 100%... Ah merde. J'ai pas de place dans le sac, attends, qu'est-ce que je peux... Ah ouais, ça mérite d'aller soigner, enfin de retourner au camp. Attends, mais je peux craft des trucs peut-être. Ça peut me libérer de la place. 3. Si je crame tous les items... Attends, ça s'est débloqué parce que j'ai maintenant des slots pour... ok. Bon, bah, aveuglant, j'en ai pas craft une seule. Je sais pas, est-ce que j'ai vraiment envie d'utiliser ça? On peut essayer, hein. Hop, des plumeballs. Des masseballs, comme ça on gagne de la place avec les galets noirs. Un maximum de superballs, 28. Ok, ça va, on commence à être plutôt bien équipé. Est-ce que j'ai envie de faire 57 pokéballs? Non. Je crois pas, non. En vrai, j'aurais envie de faire. De ne plus. Limite, je vends mes Pokéballs et j'utilise plus que des Super Balls. Mais bon, je n'ai pas une grande quantité, quoi. Ouais, il faut une peau métal pour un sécateur. Enfin, je vois pas pourquoi ce serait autre chose, ouais. Enfin, elle existe. Je sais déjà qu'elle existe. Parce qu'il y a un PNJ qui la vend. Mais la monnaie d'échange est un peu compliquée à obtenir. Ok, j'ai encore 5 slots, cela dit. Ça, par exemple, si on n'envoie pas une Pokéball, enfin. Ce serait dommage d'utiliser autre chose. Les Kenotor, j'ai déjà fait la quête. Enfin, j'ai déjà tout fait, donc les Metkeo, ça m'intéresse pas trop. Je préfère faire ça sur d'autres Pokémon. On peut faire Croc Éclair sur Cradobo, par exemple.
Non, bref, faut que j'aille avancer là. Faut que j'aille avancer, ça fait trop longtemps. Enfin là. Alors, je loupe croix éclair. Est-ce que ça va le compter? Boubon qui loupe. Ok, ça va. Ok, l'échange est plutôt à mon avantage quand même. Enfin, après, si je le tue en un coup, bon. On n'aurait même pas eu l'occasion de. De le voir faire bombe. Après, je peux m'en douter qu'il l'est. Hein. Ça, c'est morsure, bien sûr. Bon, le poison, il va disparaître, de toute façon. Mais on va soigner toute l'équipe, de toute façon, au campement, dans tous les cas. Ça, ça bouge pas. Ok, vas-y, go! Ah oui, non, c'est pour ça que je voulais pas reset tout de suite. C'est parce que je voulais aller chercher ce fichu pactage. Alors, attendez, donc on va soigner. On va soigner Luxio. Donc, faut aller par là. Il va falloir monter par un certain endroit. J'ai du mal à m'arrêter sur le farm et à continuer les quêtes. Ouais, bah, je sais bien. Je pense qu'il y en a qui aimeraient que j'avance. Mais en même temps, j'y vais à mon rythme. C'est pas toujours comme ça. Ah, tiens, hippopotas. De toute façon, reconnaître belle femelle, c'est très facile. Hein. Les couleurs sont différentes, donc. Hein. Par contre, je me souviens jamais lequel correspond à quoi. Attends, il m'a fait éboulement là. Heureusement, j'ai lancé le combat parce que j'étais en train de me faire littéralement tuer par le Pokémon. On peut faire un rapid style. Ah! Ah, j'apprécie moyennement. Il se cache derrière. Il n'y a pas du coup de précision. Enfin de précision aussi, mais ça marche différemment. Bon, sinon je peux envoyer sécateur faire fauchage. Je sais pas si les chiens capturés, je pense qu'on pas. Mais bon, dans le doute, ça me coûte qu'un tour de faire fauchage. Ah mais oui, c'est vrai. Ok, ça va. Petit crit. Et je peux encore attaquer. Du coup, je vais le capturer. Go Pokéball, hein, quitte à ce qu'il soit un HP. C'est de l'anti-speedrun, ouais. Peut-être bizarre de ma part. Bonjour, vous voulez prendre morsure? Ah ouais, il y a un Hippodocus. C'est bon, je l'ai vu, ne vous inquiétez pas. Sans HP tout pile. Comme c'est pratique. Non mais c'est. Enfin c'est pas des Pokémon sur lesquels j'ai envie de faire morsure. Et si je loupe la capture, ils me font trop mal. C'est les mêmes hein. J'ai déjà ceux-là. Enfin celui-là. Attends, je vais prendre le fer parce que du coup c'est Super Bowl. C'est toujours par 1. Je crois que c'est toujours par 1. Attends, non. J'avais le nez jaune et là c'est le nez marron. Non, justement, je dis pas celui-là. Ah, Hippodocus, pour ma team, c'est pas trop faisable. Hein. Si j'avais ce fameux Aquali, ce serait plus simple. Hein. Bon, déjà, la quête secondaire des deux Hippopotas pour la maison du style, là, ça devrait le faire. Tiens donc, tu es la jeune recrue du corps des chercheurs qui a apaisé Ashikator. Le roi de la forêt, si je ne m'abuse. Tu es là pour aider à l'installation du bivouac de la friche. Ah bah, j'aimerais bien que ce soit fait, oui. Ikuto, un jeune apprenti du corps des bâtisseurs, est déjà sur place. Il a besoin d'un membre du groupe Galaxy assez dégourdi pour l'aider. Oh, avec grand plaisir, hein. Parce que si je peux TP là... Oh. Oh, toi, je te vois, là. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que c'est aussi des... Ah, ça veut juste dire qu'il y a plus de loot, c'est pas forcément des poussières d'étoiles, d'accord, oui, en même temps c'est logique. Oui, on avait bien vu une botte de foin qui brillait, donc... Encore fragment de fer. Attends, mais il y a encore un grand truc à explorer, là. Mais oui, je voulais donc ce putain de pactage. Donc c'est par là.
Vas-y, on y va vite et on revient pour lui faire son campement. Ça me fera gagner tellement de temps pour la suite. Okay. What? Oh, la zone énervée là. Ouais, je crois il m'a vu, ouais. Merde. Ah oui, j'ai traversé le gravalanche, tout va bien. Attends, je vais regarder. Ok, faudrait que je traverse. En fait, je sais pas à quel moment je vais pouvoir... Merde. Non, il va me détruire. Il a forcément un move pour passer à Typhlosion en plus. Genre, c'est sûr à 100%. Attends, c'est sur ma gauche. Pour traverser ça, je pense que je peux peut-être faire ça. Ah, je suis pas très loin. Je pense qu'avec un meilleur saut, c'est faisable. Je pense que ça se fait. Peut-être un meilleur endroit pour le faire aussi. Attends, faut que j'attende que... soit plus considéré comme blessé. Sinon, je vais perdre mes items si je remeurs. Enfin, si je meurs pour de vrai. Oh non, mais lâche-moi, toi! Merde! Attends, je peux revenir. C'est la terre ferme. Ah, mais non, là, je suis en danger. Attends. Attends, je peux tricher. C'est quoi ça? Je n'ai pas de place dans le sac. Attends, parce que c'est rare ça. Donc j'ai envie de ramasser. On peut peut-être recraft des trucs encore. Ouais, hop, j'ai libéré la place des galets. Attends, c'est quoi ça? Ah, c'est ça la solution furtive. Faire disparaître les bruits de pas de son utilisateur. Les Pokémon sauvages ont ainsi plus de mal à repérer. Ok, c'est marrant. Oh, 14 Super Bowl. Oh, ça met très bien. Là, on commence à être vraiment bien, Super Bowl. On commence à être vraiment très bien. Ok, là, il y a peut-être moyen. Non! Oh non! J'étais tout proche. Je suis impressionné de voir à quel point le jeu est long. Tu viens de voir la première partie du replay. Enfin, le replay numéro 1. Bah après, le truc c'est que je prends mon temps de faire des quêtes secondaires et tout. En fait, je fais. Ah! Je fais exactement comme il faut pour que ce soit le plus long possible, quoi. Bah attends, je fais le 100% et je fais les choses dans un ordre précis. Pour apprécier du mieux possible. Non, mais c'est faisable. Hein. Bon, pas comme je viens de le faire là, c'est certain. Vas-y, je me ridiculise à chaque fois! Après, si je meurs, mon pactage, je peux retrouver mon propre pactage quand même. Non, c'est 1, 2, 3, et tu meurs. Ok, non, ça doit pas être possible. Faut trouver un meilleur spot pour traverser. C'est faisable là? Attends, là c'est le meilleur. Enfin, c'est mieux que tout à l'heure, quoi. Ah, mais c'est pas une rive. Oh putain, non. Oh non, il nous faut un Pokémon, il nous faut une monture. On n'a pas de monture marine pour l'instant. Oh mais là. Ah, c'est peut-être équivalent à tout à l'heure. Non, c'est gratos là. Bon, évidemment, j'ai complètement foiré mon saut. Mais non, c'est gratos là. On va y arriver, hein. Voilà! Putain, merde. Oh, muscule. Attends, le biome est vachement différent, là.
Pas cramé. Bah merci à toi, hein. Fais pas trop tourner. Quelle erreur. Ok. Oh, la forme issue de Sligou, elle est infâme. Il est horrible. Oh, la bouée, là. Oh, il est dégueulasse. C'est horrible. Attends, mais pour l'évoluer, il suffit juste qu'il y ait de la pluie, du coup. Mucuscule, c'est le petit, mais... Je pense justement à celui du milieu. Parce que c'est pas Goudra, ça. Hein. Alors, du coup, c'est par là. Ok, on prend le pactage et on avance dans l'histoire après. On peut faire le camp aussi, quand même. Il nous a demandé de construire. Ok, il suffit de continuer dans ce sens-là, enfin dans cette direction. Colimucus, merci. Alors là, j'aurais vraiment pas retrouvé le nom français. Une distorsion spatio-temporelle est sur le point de s'ouvrir. Ah! Oh, Torterra! Hut! Ah, mais il y a la pluie. Attends. J'ai envie de la tenter. Quoique, c'est pas forcément le moment de faire ça. What the fuck, Torterra, là? Comme ça. Pépouze. On va soigner Typhlosion et un sécateur. Non, mais si c'est un boss, il va avoir un niveau qui lui permet de me détruire. Hein. Je vais pas essayer de le capturer. Je vais vouloir XP dessus. Je vais peut-être lead gros drift d'ailleurs. J'essaie pas de le prendre par surprise, j'envoie juste un Pokémon que je veux sac. 65! Ah, bon d'accord. Oh, les dégâts de recul, ils sont énormes! C'est génial! Feu ensorcelé, on baisse son attaque! Oh bah c'est trop bien là, ça se passe trop bien. Gros drift le boss. Je tente même pas hypnose hein. Là je veux terminer avec un sécateur. Il doit avoir un move rush hein, pour tuer un sécateur. Donc je pense qu'il faut essayer de tuer direct. Ah j'aurais dû reste Kadabra pour peut-être essayer de gratter des dégâts avec lui. Est-ce que je sais tuer avec un sécateur ou avec Typhlosion? Je vais essayer avec un sécateur. Je vais faire aéropiquer rapid style puis Plécroix. Ça devrait aller. Ouais, ça va aller. Là, c'était à 45 de puissance. Là, c'est à 80. On a le KO. Nice. Nice, nice, nice. C'est énorme l'XP qu'on va prendre là-dessus. Excellent, pierre et fort. Ah, donc on peut enfin avancer sur Typhlosion. Très très bien. Et on va avancer sur l'attaque spéciale du coup. Énorme. Ça on attend de savoir sur qui on met ça. Énorme, énorme. Bon, maintenant Luxio et Tourvol peuvent évoluer. Mais Luxio, on a encore des moves à utiliser avec lui. Aïe. Bah tiens. Tiens, t'as gagné le droit de prendre des morsures toi. Tu vois, ah oui c'est vrai la faille. J'espère que ça reste longtemps. Parce que j'aimerais bien pouvoir soigner avant d'y aller. Parce que vu l'état de ma team, hein, c'est pas évident. Et puis Kadabra, là, en fait, je vais le dégager. Merde, mais je suis bête. Il va me tuer. Hein. Bon, c'est pas très grave. On va faire des Plécroix avec un sécateur, ça aussi, on me demande de le faire. Y a pas de talent dans le jeu. Du coup, je sais pas s'ils ont prévu un talent pour Typhlosion Formissuée. Non, il me courait déjà après avant le combat contre Torterra. Hein. J'aurais pu m'en souvenir. Est-ce que je mets juste des objets de soins? Ça veut dire que je les crame tous. Attends, faut que je parte du champ de vision du. Ok.
Donc là, sur la map, c'est... C'est de l'autre côté, donc je pourrais y aller facilement. Ah non, ça n'a rien à voir, c'est par là. Ah oui, donc niveau trajet, c'est encore un autre délire. Ok, donc on va retourner ici. Si t'as tous les Pokémon KO, il se passe quoi? Je crois pas que tu meurs quand t'as les Pokémon KO. Enfin, je crois pas que tu sois forcé de back. Hein. Donc, on peut pas faire de super potion. 5 super balls. J'en ai une bonne quantité là, c'est très bien comme ça. On a peut-être des trucs à vendre. Que veux-tu faire? Alors, déjà, me reposer. Dans un premier temps. Ok. Ensuite. Mes Pokémon. On va déposer Kadabra. Et on va prendre quoi à la place? Hypnose, choc venin, gaz toxique. Attends, la précision de gaz toxique est de combien dans ce jeu? 90? Alors qu'il a une super vitesse? Ah oh bah attends, on a un poison garanti sur quasiment tout. Ça fait plutôt envie. Pourquoi pas, hein. Après, dans la zone... Ouais, mais on sait pas ce que ça va donner dans la zone. Il y a des Pokémon rares, mais c'est eux qu'on veut capturer. Le poison, c'est pas le top pour ça. À la limite, l'hypnose de Kadabra était peut-être plus intéressante, mais... Oh, je sais pas si on va vraiment miser sur des statues pour capturer les Poké. Vas-y, on va garder ça. Hein. Gros drive, feu ensorcelé, hypnose, je pense que c'est trop bien pour les captures. Donc on va faire ça. Faire des achats, je voudrais vendre les trucs qui font... qui prennent trop de place dans mon sac. Hop, ça, ça dégage. Mais bon, on veut les garder. On a déjà assez de potions, on peut vendre toutes les B-Series. Et si on veut balancer des BO Pokémon, on peut lancer des BO rang ou d'autres trucs à la limite. Vas-y, on va déposer. On va déposer quoi? On va déposer ça. On va déposer ça. Ça, ça craft des rappels. Ouais, mais bon, j'en ai assez sur moi, je pense. On dépose. Ah, quoi que, attends, ça, j'en ai besoin pour une quête. Je dépose. Bon, avec Glant, on va garder. Celle-là, on va la on va pas la garder. Mais bon, on va garder. Bessitru, j'en ai une, c'est pas pratique. Et j'ai assez de soins comme ça. Ok. Nickel. Attends. 24 Pokémon. Ok, j'irai te voir plus tard, toi. J'irai te voir plus tard. Et du coup, elle veut voir Roselia. Ah non, c'est quand j'aurai complété la page Pokédex de Roselia. D'accord, rien à voir. Attends, c'est ça là-bas? Ouais, c'est ça. Ok, on va faire la faille d'abord. Ouais, il y a des fragments là, mais il y a un Pokémon dedans. Vas-y, flemme. On fera ça plus tard. Ok, nice, il marche dans l'eau. Non, vas-y, on va pas ramasser ça maintenant. Je pense que ce serait très important comme item. Alors, attends, par contre, l'accès à cet endroit... faut faire le tour, je pense. Tu pourras faire voler ton cadavre sans échange. Ouais, il y a un objet, c'est un câble Link. Tu l'utilises comme des pierres, du coup, pour les évolutions supposées par échange. Attends. Ah oui, c'est vrai que j'ai ramassé un pactage. 100 points. Ok, on a gagné plus de points cette fois-ci. Est-ce qu'on gagne plus de points selon la taille du pactage? Fragment de fer, fragment de fer. 5 fragments de fer! Trop bien! C'est quoi ça? Ça m'a poursuivi jusqu'à chez moi, quelle horreur! Oh la dingue, qu'on est sur le point de vivre là. Ouais, de toute façon, faut faire le tour. Putain, j'ai cru qu'il était shiny le Gravalanche. Il y a un peu de folie là. Je vais pas le louper, hein. C'est
Non, c'est pas voulu. Heureusement qu'on respawn là où on est parti. Parce que... Est-ce que tu crois beaucoup de formes locales de Poké? Ouais, quand même, ouais. Ok, j'ai trouvé la technique. Tu jump avec, avec la monture et tu descends de la monture. Ah, ça brille là-bas. Non, mais il y a trop de trucs sur la map! C'est la méthode de dire ça maintenant, en fait. Parce qu'au début, j'étais en mode, bah ouais, mais les gars, mettez-moi des trucs sur la map, je ne vois rien. Et là, c'est pas la sensation que j'ai, quoi. Tant mieux, hein, bien sûr. Hein. Je te demande que ça, moi. Je suis quand même beaucoup plus enthousiaste qu'avant que je sorte. Hein. Clairement, hein. Non, toi, on verra plus tard. Encore y avoir un racaillou là-dedans. Alors attends. Oh, Togetic dans le ciel! Vous croyez que je peux... Imaginez, imagine, imagine, juste imagine. Imagine! C'est pas Hitscan aussi, hein. Ah, c'est trop dur. C'est trop trop dur. Oh, oh my god. Non. Oh non, il est pas rentré. Encore. In a row. Oh là là. Oui. Let's go. Let's go. Aïe 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 aïe. 21 ans de tennis, hein, ça c'est du calcul de trajectoire, hein. Let's go! Wouhou! Oh, je suis tellement bien! Oh, faut le mettre de la team! Faut me faire un truc qui est de la team! C'est juste trop bien! Je suis trop heureux! Let's go! Attendez, faut traverser ça maintenant. Sinon, j'ai le droit de pas avoir la flamme de mettre la map. Hein. Merci Y80 pour les 100 bits, merci beaucoup. Oh, clippez-moi ça, tweetez l'extrait. Oh, let's go, c'est trop bien. Nice. Bon, j'ai pas besoin de tricher. Alors, ok, mais la rivière, on peut peut-être la traverser par là. Non, je suis dans la bue. Ah merde, ça compte comme une chute. J'essaie de tricher encore une fois, mais... Putain, ma précision est légendaire sur Togetic là. Attends, faut que j'attende que ça passe. Ah, mais c'est le même endroit que tout à l'heure. Non, ça, je sais que ça passe pas. Bon. On va arrêter de gâcher les plumeballs, il y a peut-être d'autres Togetic qui nous attendent. On est allé un peu plus loin. Attends. Non, on n'est pas au même endroit que tout à l'heure. Mais c'est le même dé... Mais attends, si, on est au même endroit. Non, mais les champis, c'est pas grave. J'ai pas Yanma. Ok. Attends, comment je vais faire? Allez mon grand, je pense que tu peux le faire. Je t'en crois capable. En fait, il faudrait qu'il arrive à gratter un morceau au milieu pour re-sauter. Donc ça soit un peu moins haut. Au choix, voilà. Nickel. Attends, comment on fait hein?
Ça me paraît trop loin. Hein. Ça ressemble exactement à tout à l'heure, mais c'était trop loin. Oui, j'ai vu l'autre barloche. Mais ça se fait, ça ? Non, absolument pas. Absolument pas, c'est 100 fois trop loin. Non. Non, faut que je fasse un grand tour. Faut que je fasse le grand tour de la map, j'ai pas le choix. Je n'ai vraiment pas le choix. Alors, ce que je peux faire, c'est... On va au campement. Et on va faire avancer la mission principale. Attends, on a 26. Non, je vais être à un multiple de 10 ou pas loin. Sinon, c'est pas opti. Attends, mais les ruines. Oui, non, c'est par là. Oui, j'ai confondu les icônes de... Merde. De quête principale et... Mais frérot ! Ah oui, merde, les pokés, oui, je devais soigner, c'est vrai. Oui, je suis n'importe quoi, moi. Hop. Voilà. Ça va plus vite de faire ça ici quand tu veux juste soigner. Impeccable. Donc, on y retourne. Au début de la VOD, j'ai dit « Ouais, les gars, on va avancer dans l'histoire à l'instant, là. » Oh, le plus grand menteur de France. J'ai rien lu, là, en plus. Je sais pas à quelle heure j'ai commencé la VOD, là. Je sais pas exactement. Je m'appelle la... Ah, c'est elle. Ça fait longtemps qu'on a entendu parler d'elle. Ça montre que j'ai fait des trucs très secondaires. Je m'appelle Lagena. Je suis l'une des gardiennes du clan Perle. Tiens, la flûte céleste. Tu es la fille qui est tombée de la faille spatio-temporelle, n'est-ce pas? C'est moi. Bonjour, je suis tombée d'une faille spatio-temporelle. Je vois. J'ai entendu parler de toi, je sais que tu as apaisé le roi Hachécateur. Tu as rendu service à bien des gens, mais je me demande s'il n'y avait pas une autre alternative. Tout ce que tu as fait, au fond, c'est utiliser la force brute pour le faire taire, non? En plus de ça, tu attrapes des Pokémon à tort et à travers avec ces espèces de balles, là. Mais nous n'avons pas besoin des inventions du groupe Galaxy. Et il y a aussi cette fille, Marcia. Elle m'a offert son aide, mais j'ai refusé, car je n'ai pas non plus besoin de l'aide du clan Diamant. C'est plouc. Fiche le camp maintenant, j'ai affaire. Très bien. Superbe accueil. Dis-moi, Harry, tu accepterais de te battre contre moi? J'aimerais me mesurer à celle qui a réussi à apaiser un roi. Faisons-le dans ces ruines. Avec plaisir. Hein. Ah merde, ça a été Typhlosion en tête. Ah, j'avais pas pensé à ces combats, au combat de dresseur. Il a toujours deux pokés. Mais c'est lui notre vrai rival en fait. Ah non, j'ai un sécateur. Ouais. Bah, les croix, c'est pas trop ça. Je peux faire des croix éclairs. Est-ce qu'il attaque sur mon switch? Logiquement, oui. Pas du tout. D'accord. Bon, d'accord. Ah, c'est un crit. Je pense que c'est un crit, on tue pas, hein. Je m'avais le but sur deuxième poké. Ouais. Bah ça va. Il a Gricknot. Moi si j'avais un Gricknot, je ne ferais que les boss et j'irais filer le Karchakrok au mec du champ. Pour qu'il y ait juste un Karchakrok qui se balade dans le village. Juste pour ça. Ah, lui, il connaît cette table des types, hein, contrairement à tous les autres rivaux. Eh bien, merci. Non, en 1G, ils connaissent cette table des types, c'est juste qu'ils savent pas qu'il y a des moves non offensifs, quoi. Eh bien, merci pour ce beau combat. Tu diriges tes Pokémon avec un talent incroyable. Capacité maîtrisée? Ah bah, hypnose maîtrisée, ça m'arrangerait. Quelle force incroyable, laisse-moi remettre tes Pokémon en pleine forme. Ou feu ensorcelé maîtrisé aussi. Ça peut être vachement bien pour faire feu ensorcelé en rapide. Comme ça, on peut baisser les stats offensives. On sent peu de dégâts, on s'en fout, c'est pas là pour les dégâts. Et comme ça, on prend de l'avance pour le Pokémon qui arrive derrière. C'est avec X, ça pourrait lâcher plusieurs Pokémon à la fois. C'est même affiché à l'écran.
Je crois que je vais te laisser t'occuper du fragment de mur qu'on a volé à l'aréna, quoi. Comment ça qu'on a volé? Ouais, tu as bien entendu! Quelqu'un a dérobé un morceau de mur des ruines Bon Vivre. Ah, on, en général, pas toi. Oui, ok, pas toi et tes potes. Tu as déjà entendu parler des détrousseurs? Même la compagnie Jinko est parfois la cible de ces trois terribles sœurs voleuses. La Jenna parcourt la région pour récupérer son précieux morceau de mur, mais à 99 ans, elle commence à fatiguer. qu'est-ce que t'en penses, Harry? Tu veux bien essayer de la retrouver pour elle? Bien entendu, je te donne un coup de main. Après tout, moi aussi, j'ai été dévalisé. De plus, je ne supporte pas ceux qui osent s'en prendre aux ruines. D'ailleurs, je combats à l'intérieur. Maintenant que j'y pense, j'ai vu les restes d'un feu de camp à proximité du bois du marais. Ça vaut peut-être le coup d'y jeter un coup d'œil, tu crois pas? Un feu de camp? Par d'étranges voleuses. C'est des Pokémon ou... C'est des personnages. Percupio, c'est Cynthia? Ouais, c'est un good guy. Censé être bon en combat. Attends, j'ai pas mon fouette. Non! Mais j'y allais! Mais je suis dévasté. J'ai mis trop de temps. Ah bah désolé de vouloir être prêt. Oh non, je suis dévasté. Oh non, c'est limité en temps. Oh, faut aller se faire foutre. Hein. Oula. Attends, mais qui fait ça? Ah oui, c'est un mouflaire de type énervé. Non mais il va avoir un stab ténèbre. Non, j'ai pas de quoi le gérer. J'ai pas de quoi le gérer. Bon bah c'est dommage. C'est par là. Attends, non, c'est par là. On va faire la secondaire pour avoir le deuxième campement. Blond même coupe avec Karchakrok. Ah oui, Togepi Karchakrok, j'ai même pas fait le lien. Enfin oui, Grignot j'ai pensé mais avec Togepi, enfin Togepi j'ai pas pensé. Mais du coup, Togetic, on va vouloir le mettre dans l'équipe parce que sa capture est trop épique. On va pas se priver. On peut arnaquer ça? Paraît pas évident celle-là. Hein. Non, c'est pas très simple. Je pense pas que ce soit impossible, mais je vais trop galérer. Ah, attends. Ouais, attends, je suis parti d'un peu. Je pouvais être un peu plus haut au départ. Ah! Ouais, non, 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 non. En partant de là. Oh, comment ça? Alors, on peut pas vraiment monter d'un étage, quoi. Bref, je n'ai pas besoin de faire ça. Ok, on va partir par là. Non mais par contre j'espère qu'ils vont m'en mettre une faille spatio-temporelle parce que... Oh c'est un parasect mais pas enragé. J'en avais vu que un enragé juste avant ça dans la première zone. Ah mais non c'est le principal ça. Bon ça fait pas de mal. Donc les trois voleuses. Mais ça va être des Pokémon. Quoique un Pokémon fait pas un feu de camp. Ce sont les restes d'un feu de camp, quelqu'un est passé ici. Ils sont discrets. Hein. Qui va là? Clairement, ce n'est pas le hasard qui t'amène. Il n'y a qu'une seule raison qui puisse expliquer ta présence ici. C'est nous que tu cherches, pas vrai? Hein? On devrait déjà se présenter, non? Qu'elle sache au moins qu'on va lui faire mordre de la poussière. Attends, mais. Je suis Constance, l'aînée de notre trio. Notre symbole est le pain, car je suis la plus grande. Et comme le feuillage de cet arbre, ma jeunesse et ma beauté sont éternelles. Ah, mais attends, elle c'est Candice, mais celle d'avant c'est qui? Enfin, Candice c'est Gladys en français. Je suis Garance, la cadette. Moi, mon symbole c'est le bambou.
plante de l'abondance qui flétrit jamais et qui propage sans cesse d'innombrables nouvelles pousses. C'est marrant ça. Hein. Et elle, c'est la daronne de. Je sais plus comment il s'appelle. Et moi c'est. Ah, de Mélina peut-être, ouais. Et moi, enfin, pour la première. Et moi c'est Hermance, je suis la Benjamine. Ma beauté est comme une fleur de prunier fragile qui brave la rudesse de l'hiver pour annoncer le printemps. Saturne, merci. Nous sommes Constance, Garance et Hermance, les détrousseurs. Ah, sœurs comme le sister, comme les. D'accord. Qui sème la chance. Ok, j'ai de capable. Laissez-moi faire, les filles, je vais en faire qu'une bouchée. J'ai sélectionné un sécateur ou pas? Allez, Kotox, arrose-la de ton poison. J'ai repiqué. Ah non, faut que je fasse des lames d'air. C'est vrai. Ça va être un plaisir de faire des lames d'air. Le détrousseur. Ah, je viens de. Non, mais rajoutez les talents là! Bon, il y a une quête lance-flamme sur cette explosion. Tiens, Kotox comme Saturne, quelle coïncidence, ouais, bah. C'est logique, hein. Oh, par contre, enchaîner des combats de dresseurs avec un Pokémon par dresseur, ça c'est relou, hein. J'aime pas perdre, mais je préfère encore ça qu'être aux ordres du groupe Galaxy. Vous avez saisi toute l'ironie, hein. Grrr, j'ai beau avoir quitté le groupe Galaxy, il continue de me gâcher la vie. Prends-le ton fragment de mur et fiche le camp. Ah, ce fut bref. Ok. Comme il y a des choses écrites dessus, on s'est dit que c'était peut-être un trésor. Mais en fait, ça vaut pas un clou, tous ces efforts, pour rien, quel gâchis. Mais dis-moi, pourquoi on avait-tu après nous? Pour aider Ursa King. À tous ces efforts dans le seul but d'aider, c'est comme c'est admirable. Il y a Ursa King, mais par contre, on connaît. Bon, remarque, il y a Hécateur, mais on a vu un Hécateur, donc. Mais j'allais dire, on a vu Ursa King. Tous ces efforts dans le seul but d'aider, comme c'est admirable. Oui, c'est vrai que les dresseurs ont du mal à capturer plus d'un Pokémon, certes. Mais vois-tu, on ne peut pas tous se payer le luxe d'être généreux. Certains essaient de survivre. Et pour tout te dire, on a une dent contre le groupe Galaxy. Et vu que t'en fais partie, on te tient pas en haute estime. Ok, bah l'ambiance est vraiment bonne. Mais non, mais elle, c'est Terry. C'est la meuf du Conseil 4. Qu'est-ce que vous... Mais non, c'est pas du tout Mélina, c'est la meuf du Conseil 4, elle. D'ailleurs, cela me rappelle cet ancien poème. Dans la douce lumière du ciel printanier, pourquoi les pétales s'éparpillent-ils inquiets? Ah, oh, j'aurais dû la lire en mode grand corps malade. Merde, vous avez la phrase en entier? Je vais vous la refaire. Mais il faut que je l'ai sous les yeux, si je me rappelle pas. J'aimerais lâcher un slam. Oh, tiens, un nouvel item. Du coup... Oh oui, mais on... On est far, far away, là. Merde. Bon, je comptais avoir l'initiative, mais tant pis pour moi. Hein. Vas-y, go de double épée croix, là. Si ça tue pas, on peut capturer. C'est même pas un crit, d'accord. Vous remarquez, évidemment, qu'on tue en rien. Je sais pas, il n'y avait pas vraiment de doute. Alors, comment on va faire pour passer par là? Vas-y, vas-y, go avancer pour cet sécateur. Tu étais classé en tennis, Harry? Bah, j'ai repris les matchs cette année, je suis 32 là. Je suis revenu à mon meilleur classement, mais bon, c'est pas dingue. C'est pas dingus. En fait, j'aurais bien tryhard cet été, mais avec les Worlds, un peu ok, du coup. Dans la douce lumière du ciel printanier, pourquoi les pétales s'éparpillent-ils inquiets? Tu as réussi à récupérer le fragment de mur, beau travail. Je reconnais bien la réputation de la Jaina. On dit qu'elle est têtue et vieux jeu. Mais il ne faut pas oublier qu'elle a toujours vécu et suit et qu'elle a donné de sa personne pour servir le clan Perle, guidé par sa foi en le grand Sinnoh. Au fond, ce n'est pas tant qu'elle déteste le clan Diamant et le groupe Galaxy, c'est surtout qu'elle aime le clan Perle par-dessus tout. J'espère sincèrement que tu arriveras à apaiser Ursa King, Harry. Ce n'est pas bon pour nos affaires de savoir qu'il y a des Pokémon enragés dans la région. Pour nos affaires.
Bah si, parce que s'ils sont enragés, on prend plus de dégâts. Si on prend plus de dégâts, on a besoin de plus de potions, et donc je t'en achète plus. Logique. Tiens, tu es encore là, toi? Tu peux venir me voir 100 fois, je ne changerai pas d'avis. Ah, au fait, comment? Tu as retrouvé le fragment? Tu as vraiment fait tout ça pour une parfaite inconnue? Tu as à ce point envie d'apaiser Ursa King? Non, mais je ne vais pas nuancer, bien sûr. Je ne pensais pas que quelqu'un d'autre que moi se préoccupait autant d'Ursa King. Laisse-moi remplacer ce fragment de mur. Et voilà, tout est rentré dans l'ordre. Attends, je vais essayer, mais... C'est un C? Non, attends. A, R, U... E... Attends. H... Char... Non. Non, chaque. Oui, c'est bien un C. Ah, oui. Oui, si ça, c'est un H, ça pouvait être qu'un C, ça, de toute façon. Chaque vie. En... Chaque vie en... Ah, mais c'est le T, ça. Chaque vie entendre de... nouvelle chose. Chaque vie entendre de nouvelles choses. Ouais, mais grammaticalement ça ne marche pas. En s'unissant. Non, c'était pas le T. Hein. À d'autres vies. Oh non, mais non! Tu casses les couilles! Tout ça pour ça? Va te faire foutre! Non, mais non! Moi, je ne donne plus de ma personne maintenant! Non, mais c'est bon! Y'en a marre là! Non, 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 c'est bon! Non, 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 non! Non, ça va, ça va! Tous ces efforts réduits à néant! J'ai lu ces inscriptions maintes fois sans saisir le sens et j'ai fini par les oublier. Mais grâce à toi, je pense les avoir enfin comprises. Ce qu'il y a décrit illustre bien que sans ton aide, je n'aurais jamais réussi à reconstituer ce mur. Est-ce là l'un des enseignements du grand Sino? Ah, dis-moi, comment t'appelles-tu? Je pourrais changer mon nom, là, techniquement. Je vois, bien, Harry, veux-tu m'aider à apaiser Ursa King? Il est certes très énervé, mais pas au point de devenir complètement enragé. Je crois que si on lui donne le remède approprié, il pourra retrouver ses esprits. Mes principes m'interdisent de laisser mon Pokémon se battre, mais j'imagine que ce n'est pas un souci pour toi. Ursa King aime se rendre sur le plateau tourbeux quand tu seras prêt, rejoins-moi là-bas. Oui, attends, laisse-moi faire un camp avec l'autre mec là. Ok, on peut monter à l'intérieur. C'est vrai qu'on n'est pas vraiment rentré dans un bâtiment. Le plateau tourbeux. Oh non, j'ai sali mon plateau tourbeux. Non, moi je veux viser ça. Non, attends, je vais viser ça, moi. De toute façon, une fois que je l'aurai fait, ça va automatiquement me rediriger vers... Ah, mais sinon, j'ai l'épingle. Ah oui, oui, j'avais même pas essayé de faire ça. Ah oui, d'accord, il n'y a que les épingles comme ça qu'on peut voir... Ok. I see. Ah merde, j'ai pas fait attention à Poké. Oh, j'ai la flemme, je le fuis, non? Allez, ça s'est réglé. Attends, mais du coup, il faut passer par là.
Ouais. Merde. Je ramasse pas les fragments rouges. J'en ai largement assez. Je craft pas de Pokéball, je craft que des super. Donc c'est les fragments de fer qui m'intéressent vraiment. Mais c'est trop bien les petites épingles comme ça, mais il faut en mettre partout, hein. C'est trop clutch. Hein. Ils sont nombreux. Bonjour. Tu es du groupe Galaxy, n'est-ce pas? Tu n'aurais pas quelque chose pour soigner les maux de tête de mes psychoquacks à tout hasard? Ces petits vivent avec moi et je peux voir qu'ils souffrent terriblement au quotidien. Je voudrais apaiser leur douleur, mais aucun des remèdes habituels ne fonctionne. Vous êtes si nombreux au groupe Galaxy, l'un d'entre vous s'y connaît forcément en guérison. S'il te plaît, aide-moi à trouver un remède. Ah, il faut avoir ressuscité pour ça. Attends, mais c'est pas... Bah oui, mais ça me donne pas le guide pour le bivouac, là. Je comprends pas. C'est dans une autre zone ? Sur place pour leur prêter main forte. Attends, mais c'est pas dans cette zone ? Vous allez pas me dire que c'est pas dans cette zone, quand même. Ça va me dévaster, ça. Vous le savez. Je capte pas, là. Petit point sur les crocs éclairs à fait. Oh, encore 33. Et 15 morsures. Et pour un sécateur, plaie croix encore 13. Et lame d'air 25. Oh, c'est pas une cible à croix éclair, ça, en plus. Vas-y, quoi, avancer un peu par là. Voir ce qu'on a. On n'est pas passé par là déjà? Oh, la pitrini, faut regarder attentivement s'il y en a un femelle. Non, il n'y en a pas de femelle ici. C'est une chance sur 8, femelle, la pitrini. Je rappelle que seules les pitrini femelles peuvent évoluer hein, en apirène. Hein. Après, poids sirène, poids roi, bon voilà quoi. Mais. Ah! Non, mais de toute façon, faut que j'avance dans l'aventure pour avoir une. Non, mais en vrai, ouais, faut que j'avance dans l'aventure, comme ça j'aurai une monture aquatique. J'ai pas le choix. Ah, mais donc il y a bien un point de vol ici! Ah, oh, bah ça va! Ah, ok, bah c'était ça mon but à la base. Très bien. Ok, on va avancer un petit peu. Oh, Rhinocorne, j'ai pas. Je suis incapturé, je pense. Ok, j'ai complètement raté ce que je voulais faire. Dans le dos, Super Bowl. Pendant qu'il est stun. Excellent. Ça fait pas trop mal ça. Non, ça va, ça va. Ok, on se dirige droit vers le point. Hello Etienne. Je regarderai mes messages Discord dimanche. Rhinophéros est insuffisant au dernier niveau. Oh, un petit Rhinastock. Ah bah après, oui, j'aime pas trop le design de Rhinastock, je suis d'accord. Mais je vais pas ne pas le faire évoluer. Ça me dérangerait pas d'utiliser un Rhinastock dans ma team. J'ai entendu que Séisme n'était pas dans le jeu. Donc comme Moufsol, je sais pas ce que je pourrais lui mettre. Cavalerie lourde, bon, c'est imprécis. C'est un peu dommage quand t'as pas Séisme. Enfin, t'es un peu déçu, quoi. J'ai envie de trop m'approcher si j'étais toi. Regarde un peu ce chaos. Ces moufouettes ont décidé de se placer pile là où je voulais installer notre bivouac. Déjà qu'un moufouette c'est dangereux, alors quand il y en a plusieurs, il faudrait que quelqu'un fasse quelque chose, quelqu'un qui sait se battre de préférence. Il faudrait que je leur fasse du mal. Ils puent atrocement, tu sais. Ça ne me gêne pas. J'adore. C'est toi qui vois, moi je te rappelle qu'ils sont trois quand même, mais oublie pas ce que j'ai dit. Ils fouettent vraiment. Ah, ça lance le combat automatiquement. D'accord. Ok. Ah non, ils sont bien par 3. Hein. J'ai évité de switch s'ils sont par 3, clairement. Ok, nice. Ok, ça m'empoisonne pas. Ça, oui. Bon, le mal est fait. Bah, en vrai, je vais prendre une fois les dégâts du poison, c'est pas très grave. Hein.
Ah bah non, mon grand. Je sais pas si c'est full random le choix des Pokémon sauvages. Après, les boss ils font pas de conneries. Hein. J'ai bien vu tout à l'heure le Ronflex, il faisait son meilleur move de coverage à chaque fois. En vrai, je pourrais les voler mon étourvol puisqu'on a tout fini pour lui. T'as vraiment été balé sur ce coup-là, tes Pokémon aussi, quel courage. Enfin, les attaques qu'il y a à faire avec lui. Je sentais moyen quand je t'ai vu partir affronter ce moufouette, mais ça a été au final. Grâce à toi, je vais pouvoir installer le bivouac, j'en ai pas pour longtemps. Excellent, nouveau point de TP. C'est pas beau ça. Formidable. Phew, et voilà, alors t'en penses quoi? On se sent déjà plus en sécurité, tu trouves pas? N'hésite pas à passer ici dans le coin, promis, ça sentira pas le moufouette. Ouais, mais est-ce qu'il y a un mec qui vend des trucs ici? Tiens donc! Avec cette installation, ça nous fait deux bivouacs au Marais Carmin. Ouais, et un autre point de TP. Peut-être qu'on aura la visite d'un moufouette. Ça serait vraiment fouette. Chouette, non? Je suis mort de rire. Vas-y, ouais, il y a bien toujours lui qui est ici. Vas-y, bah autant profiter pour refaire un petit peu le cycle. D'un coup, ah ouais, et on a dépassé les 100 Super Bowl. Oh, je suis vraiment au maximum. Je pense qu'on vend les Pokéballs maintenant, comme ça, ça prend plus de place dans le sac. Ça, non, on a peut-être des poussières étoiles. Ok, ça fait 7h38 que je suis en live et j'avais live avant ça pendant 2 heures. Mais uptime, je crois, la commande ne fonctionne pas ici. Enfin, c'est qu'avec certains bots de chaîne. Voilà. Ça, on va garder. Ok. Oui, donc Togetic. Voir mes Pokémon. Bon, on préfère garder Spectrum ou Grodrive? Je sais pas trop. Il a un boost en défense spéciale et en vitesse. Attends, mais sa nature, je connais pas sa nature. Putain, il est nature prudent. Non, je vais pas le prendre. Prudent, c'est vraiment trop mauvais, quoi. Moins attaque spéciale, je peux pas. Non, non, clairement. Hein. Oh, ça me dévaste. Pff. Ah, peut-être pour 10 subs, tu vois, mais après, voilà. Mais non, non, prudence, ça me casse les couilles, ouais. Non, on va garder ce qu'on a là. Et du coup, pour étourvol, attends, je voudrais confirmer. Étourvol, aéropiqué 25, c'est réglé. Luxio, on en est loin. Ok, donc on va évoluer Luxio. On va faire ça maintenant. Non, 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 étourvol, pardon. Ouh, j'ai failli faire la connerie. Ouh! Fuse at what cause? Et tour vol évolué en Autoraptor, let's go! C'est un mur en défense spéciale pour soigner l'équipe, il peut être utile? Pour soigner l'équipe? Ah oui, pour tanker et utiliser des objets de fin, tu veux dire, ouais. Bah, la nouvelle capacité, c'est forcément close combat. Qu'on va apprendre tout de suite. Après, il y en a peut-être d'autres. Vive attaque dégage. Je préfère avoir atterrissage que vive attaque. Je préfère faire aéropiqué en rapid style. Il a peut-être bien son... Non, pardon, excusez-moi. Il a peut-être bien son moveset définitif. Ah bah non, il a pas... Je suis con, je voudrais avoir Rapace. Ah mais du coup, je vais voir ses quêtes à lui. Lame d'air et Rapace. Arrêtez de me demander des lames d'air, vous cassez les couilles. On va déposer ça. Attends, déjà, on va faire ça. Tac. Smoke bomb, je m'en sers pas. Oh bah les... Ouais, ça fait la même chose, je vais déposer ça. Pour faire de la place, j'ai déjà 17 Noadrum. Je dépose ça.
Champi, on s'en fout là. Oh là, j'ai masse place. Sans une masse ball. Mais les masse balls, après, je m'en sers pas tellement. Enfin, je m'en sers pas. C'est pour ça que j'en ai beaucoup. Hein. Alors, on a vraiment beaucoup. On dirait qu'il y a quelque chose dans le dos. Quoi ? Oh ! Je l'avais dit ! Bah, putain, les ruines de bon vivre, bon. Mais qu'est-ce que c'était ? Un Pokémon, peut-être ? Il est même pas sûr que c'est un Pokémon. Père Cupio disait avoir vu des symboles semblables à des lettres dans les ruines bon vivre. Peut-être qu'il s'agit d'une espèce de Pokémon pouvoir se présenter sous différentes formes. Dis donc, t'as l'air de savoir beaucoup de choses finalement. Allez, je vais ajouter une section entièrement pour lui dans le Pokédex. L'alphabet Zarbi a été ajouté dans votre Pokédex. Oui, c'est quand même une page spéciale. Tiens, il y a des sortes de lettres dans la section que je viens d'ajouter. D'ailleurs, ton Smarkius a réagi tout à l'heure. Peut-être qu'il a quelque chose à te montrer. Déchiffrer les indices en alphabet Zarbi et capturer tous les Zarbi dissimulés à Isui. Notez que les Zarbi possèdent une forme mystérieuse qui leur permet de repousser les balls de partenaires et donc impossible de les affronter. Ok, c'est spécial. 27 Pokémon. Ok, vas-y, on va capturer 3 trucs pour gagner un peu plus de points. 3 petites captures et on revient voir le prof. Ou alors on valide pas tout ça maintenant. Tout simplement. On est pas obligé. Merde. Ouais, la boule, elle part un peu plus haut que le milieu du curseur. Hein. Nice. Retenez ça. Hein. Putain, il va trop vite. Là, faut que je vise un peu là, comme ça. Trop courbé. Oh, mais non, attends, c'est la plume boule quand même. Alors, vas-y, laisse tomber, ça va être galère. Ouais, non, je veux juste capturer des trucs. Ah, c'est le gros! Mon dieu. Attends, y'a pas... Je suis en train d'y penser, parce que là, depuis le temps, on n'a pas de loot sur la map, ni de... Ok, bien, wesh. Ouais, je me félicite, hein, je m'auto-congratule. C'est important pour la self-esteem. Lui, il a pas compris ce qui lui est arrivé. Ah, le problème, c'est que c'est des Pokéballs, quoi. Merde. Oups. Non, la faille, elle a disparu 30 secondes avant que j'y arrive. Donc, je suis vraiment super content, quoi. Vraiment, ça me met au max. Hein. Non, il est trop au milieu du truc. Ça va être galère de lancer une Super Ball là-dedans. Mais laisse-moi tranquille, toi. Attends, mais... Ah non, c'est même pas l'Hippodocus qui me lance ça. Super. Quel échec. Même en Super Bowl, frérot. Après mes avant... Bon. T'as gagné. Non mais forcément, il y a son père qui vient le sauver là. Ah oui, c'est vrai que j'ai plus de Pokéball. J'ai oublié ça. Mes Pokéball, c'est mes Plume Ball en fait. Ok, ça fait 3. Donc si on veut, on va voir le prof. Et je vais le dire au prof. Hein. Et on peut aussi retourner au village. Hein. On aurait à faire... attends. Sinon pour la suite c'est ici. Ah merde, attends, je suis pris en chasse par un Pokémon. Faut que je détale. Ok. Du coup. Attends, mais le souci de Marcia. Attends. Non, c'est pas. C'est une quête secondaire pour la pharmacie là. 30 Pokémon. Allez, on va cache. On va cache tout ça. Elle était longue, hein, cette partie. 13 000 Pokédollars. Ah, on commence à être wealthy.
Tes recherches semblent avoir bien avancé, raconte-moi tout. Je vois, tout ceci est fascinant, permets-moi d'actualiser dans le Pokédex avec ces nouvelles informations. Ouais, bon, c'est toujours le même discours, donc je vais peut-être arrêter de dire ça exactement. Ah bah là, alors en supérieur, je crois qu'il est explosé. Hein. Non, je suis 5 étoiles direct. Quel résultat époustouflant! Ah, on va retourner au village, ça fait longtemps. Il y a 2-3 trucs à faire via les quêtes secondaires. Les hippopotas, il y avait les items là, enfin le... Alors, je sais plus ce que c'était comme item, mais... À propos de la mission. D'abord hippopotas mâle. C'est lui. Et ensuite hippopotas femelle. Non mais... Je les ai, c'est bon, tu... T'as qu'à dire, oh, ils sont beaux. Ça alors ? Qui aurait cru qu'une simple variation de couleur puisse tant modifier notre perception d'une même espèce ? Oh, je sens l'inspiration monter en moi. Laisse-moi juste un petit instant. Une tenue de camouflage ? La maison du textile a désormais de nouveaux articles disponibles. N'hésite pas à venir les voir. Ok. Ah oui, c'était pour la boutique principale, d'ailleurs. Espèce de festival, ça y avait déjà. Kimono extravagant aussi. Un motif, tiens, ça y avait pas. Oh, remarque. Oh, y a des trucs, hein. Bon, on va garder quand même ce qu'on a. Même si c'est vrai qu'on a largement les moyens. Les cheveux, on va pas bouger. Et tiens, lui, on va valider la mission. Apporte 3 épis de Rizella Nectarin. Ah oui, lui, il est en bas de... Il est en bas du bâtiment. Non, bah non, je crois que tout ce qu'on peut faire, ça va être... Attends, il a un autre deal à nous proposer, parce qu'on a passé plusieurs jours. Super beau, là. 3000 Poké-Dollars. Vas-y, hein, je crois que c'est bien. Hein. Attends, tout à l'heure c'était 10, maintenant c'est 20. Donc en fait, je me suis fait scam tout à l'heure, mais pas maintenant. Et ça, c'est toujours la même chose. D'accord, ok. Bah, Move Tutor. Ouais, pour être Raptor, pourquoi pas, ouais. Bon, en vrai, il manque de rien. Et Rapace, il va l'apprendre par montée de niveau, donc non, je suis pas pressé pour ça. En vrai, je suis dégoûté de la nature de Togetic. Alors, il y a encore des cas secondaires à prendre. Une seule. Posu du corps de la défense a besoin de notre aide car il cherche une stratégie efficace pour entraîner son pachérisson. Je te propose d'aller lui donner un coup de main. Ok. Spectrum va évoluer seul dans ce jeu via échange. Il y a un item qui permet d'évoluer les Pokémon qui évoluent habituellement par échange. Donc Nectarin, c'est lui. N'insiste pas, je ne fournirai rien à Sika. J'ai déjà bien assez de mal à trouver du Rizelé sans qu'il vienne m'importuner avec sa boutique par-dessus le marché. Ah oh, putain, il est faux sur moi. Oh, c'est horrible. Il n'y a pas une malle dans le bâtiment? Oh non, faut que je... Oh non, horrible. C'est trop chiant. Ouais, considère que je les ai pas sur moi. Évidemment, je peux pas monter sur le dos de... De Serbilin. Du coup, c'est... Ça. Déplacer dans la sacoche. J'en veux 2. Il en voulait 3. Voilà. Franchement. Je peux regarder aussi les autres quêtes annexes où il fallait ramener des trucs. Lustébué, j'en ai pas recapturé. Krixik, bah non, c'est pas dans le village. Seriflore, non. Ça, on n'a pas vraiment avancé. Flamme étrange. Ah non, le faux follet, ça n'a rien à voir. Flamme étrange, c'est ça, ok. Ça, c'est bon, on a. Le Pokémon 3 feuilles, j'ai pas vu. Complété pour. Non. Ah, ça m'intéresse aussi. Ok, c'est dans le bâtiment aussi. Ok, très bien.
Non, parce que je veux tout faire d'un coup, sinon je vais regretter d'avoir fait des allers-retours pas très très... pas très très rentables, quoi. En vrai, avec le grand nombre de Pokédollars que j'ai, il y a un monde où j'agrandis encore mes poches. Hein. Comment tu cherches un médicament pour soigner les maux de tête de Psychoquack? Je pense savoir ce qu'il te faut. Et c'est ceci, il s'agit d'un remède secret dont la recette est transmise de génération en génération dans mon village natal. Très bien. Fini de se faire chier avec les échanges? Bah, ça veut pas dire qu'il y aura ça dans les prochains jeux. Il te faut la monture aquatique pour être encore plus tranquille? Ouais, ouais, clairement. Ça va me débloquer tellement de trucs. Enfin, ça va m'éviter de passer du temps avec Cerbulin et essayer de sauter pour gratter des zones où je suis pas censé aller. Ce remède est capable de remettre sur pied n'importe quel Pokémon en un clin d'œil. Les maux de tête de ces pauvres psychoquacks ne seront bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Attends, mais est-ce que je pourrais craft ça? Parce que c'est pas une méthode de craft qui m'a donné. C'est un objet rare, je pense. Attends un peu, tu as du risélé sur toi? Je t'en prie, donne-moi un peu. Trois petits épices suffiront. Donne-moi ma dose. Ok. Ah, je ferai tout pour toi. Le risélé est le symbole incontesté du marais carmin. La façon dont ces épis recouvrent le paysage de leur couleur mordorée me remplit toujours d'une grande nostalgie pour mon pays natal. Je suis né dans un marais. En combinant du risélé à d'autres ingrédients, on peut obtenir un arôme si alléchant qui ne manque jamais d'attirer les Pokémon. Allez, tu as gagné. Sika peut se réjouir. J'accepte de lui fournir de nouveaux articles, mais c'est uniquement par égard pour toi. Faites votre rapport à Sika avec plaisir. Et il faut aussi aller faire le rapport à Selena. Oh, tu vas pas être déçu, ma grande. Quand je vais passer deux étoiles d'un coup, là... Pardon, excuse-moi. Je m'emporte, mais c'est l'émotion. J'en connais tes progrès, tu as bien mérité une étoile supplémentaire. Non, non, il y en a encore une autre, c'est sûr. Tu es désormais membre 4 étoiles du groupe Galaxy, félicitations. Mega Masball. Niveau 50. Vous recevrez également plus de récompenses qu'on ferait au rapport de recherche. Ce sont des méthodes qui te permettront de confectionner des objets, donc Meta Masball. Mega Masball, pardon. Ok, il faut un fragment de fer en plus, d'accord. Non, c'est la Super Bowl des Mass Ball, ok. Et Hyper Potion. Ah, mais ça prend tellement de temps pour faire Potion, Into Super Potion, into Hyper Potion. Tu seras promu lorsque le Pokédex aura suffisamment avancé. Au travail. Ah non, il faut 1500 points. Ok. Non, je me suis un peu enflammé. Ok, bah du coup, toutes mes Mass Balls, je sais pas si je les vends. Parce que... Ouais, c'est pas en combat, tu les utilises. Oh, c'est ça. Mais du coup, j'ai pas envie d'en faire beaucoup. Alors, j'aimerais bien les décraft. J'en ai quand même 101. Je regrette un peu d'avoir cramé mes galets noirs. J'ai peut-être fait une bêtise. Veuillez m'excuser. Ok, on a fait quelques hyper potions. Ok, on va remettre de l'ordre là-dedans. Ah tiens, j'avais rongé ça. Ça m'étonne. Pénépo, on range. Hein. Enfin, on reprend. On est quand même bien content de les avoir sur nous. Bon, par contre... Ça prend 3 slots, potion, super potion, hyper potion, ça fait beaucoup. Les Mass Balls, bah, c'est un peu spécifique quand même. Il y a des nouvelles méthodes ou pas? Ouais. Super remède. À pas zélé. Ah, avec le riz zélé, ouais. 4000? Muscle plus? Ok, nice. Non, ça on verra plus tard, ça j'ai pas assez de points. Oui, on avait dit qu'on avait... Oui, on est allé à l'intérieur, et donc pour les missions secondaires, on avait rien de plus. Flamme étrange, non. Krixik. C'est un pas chérisson. C'est pas dans le village pour pas chérisson? Ok, d'accord.
Ah, attendez, je suis pas allé voir le champ. Je ne suis pas allé voir le champ, je vais récupérer des choses. Et en plus, ça a été agrandi. Même les Pokémon ont des préférences âme de goût. Bon, j'imagine que c'est le cas de tous les êtres vivants, mais ça reste intéressant. Ah non, j'avais pas fait pousser, j'avais plus de Pokédollars. C'est vrai. Légumes, champignons. Noix, agrumes, est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est peut-être l'occasion de faire autre chose. Oh non. Non. Et dans le village, à part ça, je ne vois pas. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire aux boîtes, à part relâcher? Tiens, déjà j'y pense, mais on peut utiliser ça ici. Sur un sécateur. Ok. Ouais, non, Spectrum, on garde. On peut-être relâcher déjà pas mal de choses. Et du coup, on va récupérer des objets pour les stats. Alors, du coup, vous voyez, juste à faire X ici. Hein. Choisir et relâcher, X. Hein. Achète Pométal, j'ai pas du tout les financements pour ça. C'est pas possible. Sinon, je le ferai instantanément. Par hasard, j'ai déjà vu deux. Ok. Rose bouton. Tac, tac. Parloche. Roselia. Pachy. Tac, tac. Bah, je vais garder les deux. Si j'en évolue un de chaque, j'aurai les deux. Enfin, j'aurai les deux formes, quoi. Tac. Et ensuite X relâché pour confirmer, oui. Et voilà, un peu de place. Je fais B, voilà. Tout simplement. Hop. Attends, est-ce qu'il y a des Pokémon parmi tout ça? Ou je vais tenter de garder après? Non. Peut-être le Kadabra éventuellement, mais si j'en ai trouvé un, je vais peut-être trouver mieux. Hein. Et on va récupérer les items. Les quantités sont pas énormes. Sable et fort, je crois que je peux encore en mettre sur un sécateur. Non. Ah non, j'ai déjà bourré. D'accord. Non, c'est là où j'ai pas fini. Ok. Donc ça va partir dans la malle. Forcément. Et on va continuer l'aventure. Le seul chenille que j'ai croisé, c'est un chenille garanti. Tu vas aider ta quête au marchand pour les nouveaux items en vente? Non, je crois pas. C'est une bonne remarque. Attends. Ta quête principale, lui? But. J'ai suivi un entraînement intensif auprès de la chef Belila, mais malgré ça, je peine à m'améliorer en combat. C'est pourquoi je suis venu m'entraîner ici avec mon partenaire Pachirisu. Ok, il veut qu'on l'affronte. Toutefois, je connais aucune stratégie valable qui pourrait nous aider à gagner. Mais j'entends. Il fait la gueule, le Pachirisu, quand il dit ça. Mais j'ai entendu dire que tu étais un véritable prodige du combat, c'est vrai? Si oui, tu veux bien me montrer comment un Pachirisu bien entraîné se bat? Ah, faut que j'en entraîne un. Je veux voir un Pachirisu combattre à tes côtés et aucun autre Pokémon. Reviens me voir quand tu seras prête. Ok, on peut négocier ça. Voir mes Pokémon. Je promets pas un grand résultat. Allons-y. Je suis prête. Hein. Non. Mais tu te fous de ma gueule? Mais il va se faire foutre. Il me demande un PJ, je lui montre un PJ, il est pas content. Mais cette personne est extrêmement désagréable. Non, non, je vais pas faire ça. Ah, il faut que Pachirisu. Ah ouais. Ah oui, pour que je pas... Oui, comme ça j'ai pas l'occasion, j'ai pas le choix que je peux pas switch sur un autre Pokémon. Mais... Ok.
Attends, je vais regarder ses moves quand même, parce que si on perd, j'ai l'air con. Bon, vas-y, on va regarder ça. Bon, on peut pas avoir une faille là. Tu vas me montrer comment tu te bats avec ton Pachirisu, chouette. Dans ce cas, montre-moi ce qu'il sait faire face à... Alors, ça ring ! Mais va te faire foutre ! Je te déteste, en fait ! D'accord, donc pour avancer dans le jeu, il faut gagner ce match-up. Bah, en fait, si je baisse son attaque, je peux peut-être stall avec des soins. Oh, let's go! Si on le paralyse, c'est Gucci. Hein. Oh, ça va? Oh, il doit HKO, putain. Si 2 HKO, je vois pas comment on peut gagner. Il a pas besoin de beaucoup de niveaux en plus, hein, Soleni, pour gagner ça. Faut qu'il reloupe. Donc que je tente. Non, mais paralysie par axe, c'est moins probable qu'un miss de Kalinry quand même. Hein. Non, mais je vais juste me faire détruire. Non, autant tenter les paralysies, je vois pas ce que je peux faire d'autre. Hein. Même un crit m'aidait pas. C'est mon rêve, mon droit d'y croire. Putain, mais un rapid style suffit pas à taper deux fois. C'est au moment de crit. Hein. Paralysie. Oh non. Ah, il manquait une chose. Putain. Ah, oh, ça me dévaste. Bon, il faut qu'on le mette dans l'équipe pour qu'il monte un peu. Voir les Pokémon. On va récupérer la team. Ok. Vas-y, mais on veut toujours combattre avec Luxio. Hein. On veut combattre avec Luxio pour Crow éclair des milliards de fois. Et sinon, niveau quête. Oh, un loot. Attendez, on y va. Plus je m'occupe des loots, plus vite j'ai 6 Aiox. Hein. Donc c'est. Non, Luxio, justement, j'attends. Il faut que je fasse encore beaucoup de Crow éclair. Voici leur retour. Non. Mais tu me caches les couilles. Ah merde, c'est un duo du coup. Nice. Oui, je sais où on l'a, mais le problème c'est que la monnaie d'échange est très compliquée à choper. Je vais plutôt faire un croix éclair puissance sur Fantominus pour assurer. Ok. Le Pika me fait moins peur. Bon, pas très grave. Je vais mettre Pachi en face, mais je pense pas qu'il prenne plus d'XP grâce à ça. Ouais, les chances de Shiny, ouais, il y a plusieurs facteurs qui jouent là-dessus. Hein. Notamment l'affiche, ouais. Si t'as complété l'affiche, ça augmente tes chances. Il me semble. Il y a un charme chroma. Il y a une méthode. C'est un peu les troupeaux, en gros, la méthode de chasse hein, sur le jeu.
Mais j'ai pas, je l'ai pas encore vu sur mon jeu, moi, perso. Ah mais je suis con, j'aurais dû envoyer un sécateur pour faire fauchage. Quelle bêtise. Nice. Excellent. Oh tiens, je vois un feu follet derrière. Je l'avais pas remarqué avant. Alors. Attends, il est déjà mort. Ok. Ah, sauf que, attends, parce que la traversée est pas évidente. Non, ça c'est... Non, laisse-moi faire. Je pense faire une vidéo dans un futur comment avoir un chenille, bien sûr. Bien sûr. Mais les gars, le jeu est sorti aujourd'hui, quoi. Donc évidemment... Je peux pas tout sortir d'un coup. Hein. Enfin, c'est tellement particulier. On a tellement pas de repères par rapport à d'habitude. Attends, on va faire ça bien. Part de loin. Ah putain, j'ai raté Y. Ah, oh mais fais un effort quand tu nages aussi. Oh sérieux, il y a des piscines dans le futur. Tu viens d'Alola, t'as un t-shirt d'Alola et tu sais pas nager. Non, pas à nous. Oh non, vas-y, c'est trop chiant. Vas-y, laisse tomber. En vrai, je veux bien savoir c'est qui le PNJ qui parle... Attends, je peux pas lui casser la gueule et lancer une baseball s'ils sont difficiles à rentrer. Ok, il est pas difficile à rentrer. Ok, nice, premier zombie. Très bien. Ouais, je pourrais marquer la map. Oui, c'est vrai, ça me coûte rien. On met une étoile pour ça. Faire attention à mettre toujours les mêmes symboles histoire de se repérer. De pas être perdu après, se dire attends, pourquoi j'ai mis un point ici. Et donc on voulait chercher quoi? Un loot. Ah mais il est de l'autre côté. Ah mais justement, c'est ça qu'on voit là. Ah mais donc je veux absolument passer de l'autre côté. Ah mais oui. Je sais pas s'il disparaît au bout d'un moment. Oui, voilà. Putain, je savais bien qu'il fallait sauter depuis le petit surplus, là, je sais pas comment dire. La petite excroissance. Tu sais comment on reconnaît les Pokémon lourds tant que tu les as pas capturés, je crois pas que tu puisses déterminer. Hein. Ah, mon Poké, il a récupéré le pactage. Ah, j'aurais pu lancer une boule pour récupérer le pactage. Peut-être. Alors, Mila et Milo. Et Milo, je sais pas où c'est, pleine obsidienne. Ah, mais donc ça veut dire qu'il... Ah, mais quand on les voit là, ça veut dire qu'on sait qu'il y en a un quelque part. C'est bien ça. Très bien. Alors, s'il n'y a pas de... Bah, s'il faut monter Pachi, moi je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à la pleine obsidienne. On va aller chercher le pactage. On va essayer de battre... un ou deux boss pour monter Pachi, pour battre le Ursaring tranquille. Oui, tant pis, go faire un rapport. Ah, mais attends, on a un Zarbi. Ça va peut-être l'intéresser. Le talus, c'est le terme, exactement. J'ai pas vu de Pokémon de la 8ème génération, sinon on a vu tout le reste. Hein. Ouais, c'est pas beaucoup, hein. Je suis obligé de... C'est chiant ça de devoir retourner au village. Vous savez s'il y a moyen d'aller dans une autre partie de la map sans repasser par le village? Et aussi si vous savez s'il y a un PNJ en particulier pour les troupeaux. Je veux bien avoir ces deux informations là. Attends, sur Cerebi ça doit être noté.
Je sais pas si vous savez. Valide la quête du marchand, il y aura peut-être des bons items en plus. Ah oui, c'est vrai, la quête du marchand, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Nice, nice, nice. Bah déjà, tous les items qu'on peut craft, si on pouvait les acheter, ce serait pas mal. Ah, il a pas la Mega Mass Ball. Oh, il a même pas les Super Bowls. Attends, mais c'est sad. Elle est sad, ta boutique, bro. Mince, comment je peux... Non, je sais pas, il n'y a pas de truc par rapport à ça. Tu attends pour un skill? Je veux faire. Faut que j'utilise Croc Éclair pour une quête. Et morsure aussi. Enfin, pour une tâche. Donc, j'attends de finir ça. Avant de les voler en luxe ray, je ne me presse pas. Je suis pas pressé de craft des trucs avec Galet Noir, donc on va ranger ça. On va ranger ça. On va ranger ça. Fragment de fer, ça, je vais m'en servir assez vite. Galet Azur aussi. Ah, j'ai plus que 13 des Nerdrim. Hein. Après, je pourrais aller chercher les... Oui, je pourrais aller chercher les Noagrim que j'ai fait planter. Si tu fais continuer l'aventure, quand il te propose de rentrer, tu n'as pas le choix de changer de zone. Bah, je sais pas s'il y a un moyen. Attends, mais il n'y avait pas la PNJ de... J'ai ramassé 2-3 trucs là, quand même. Ah, oh, il en faut une en plus. Ah, attends. Attends. Il y a un endroit où je pense qu'il y en a une. Parce que s'il n'y en a pas, il faut bien qu'ils en mettent à certains endroits. Ah, bah attends, nouvelle quête aussi pour là. C'est la plage du départ. Ouah, ne me fais pas peur comme ça, j'ai failli avoir une crise cardiaque. C'est facile. Non, c'est rien, tu veux bien revenir plus tard, je ne suis pas tout à fait disposé. Quel est le problème? Vu que tu fais partie du corps des chercheurs, tu pourrais peut-être m'aider. En fait, je sens une présence chez moi la nuit. J'entends comme des craquements. Mais ce n'est pas tout. Je retrouve parfois des baies brûlées où j'entends d'étranges cliquetis. Autant te dire que c'est difficile pour moi de trouver le sommeil dans ces conditions. C'est pourquoi j'aimerais que tu passes chez moi en qualité de membre du conseil des... en membre du corps des chercheurs, pardon. Et que tu enquêtes sur l'origine de ces étranges phénomènes. Je suis de service la journée, donc si tu acceptes de m'aider, viens frapper à ma porte le soir. Ok. On est le soir là. Aucun problème, allons-y. Il y a quelque chose qui se cache dans mes quartiers, c'est sûr et certain. S'il te plaît, fouille cet endroit de fond en comble pour trouver le coupable. Dans le miroir, ça me paraît compliqué. Après, si c'est un spectre dans le miroir, ça me paraissait... il pouvait y avoir un truc, là, dans le pot, non? Ah. Mais c'est elle, non? Le bruit à l'entrée. On n'a pas encore trouvé le coupable. Tu veux faire une pause? Non. Non, mais vas-y, arrête de me... Ouais, mais ça, c'est pas une cachette. Ça, c'est trop obvious pour que ce soit ça. Un bol provenant de sous le tissu. Ok, déjà, c'est un pitchou. Quelque chose vient de passer devant vous. Ouais, mais je le vois pas. Du tatami. J'ai checké les autres, donc bon. C'était quoi ce bruit? Tout va bien? Wow.
après, ça aurait peut-être pu être les autres items, mais juste, fallait checker un certain nombre d'items pour qu'elle nous parle, et ensuite, fallait voir ça, peut-être. Attends un peu, ce Pichu. J'ai moi-même du mal à le croire, mais je pense que c'est le Pichu que j'ai trouvé blessé dans la forêt il y a quelques temps de cela. C'est pour moi, CB, pour me remercier de t'avoir soigné. Attends un peu. Le mystérieux rôdeur qui me faisait si peur la nuit n'était qu'un Pichu qui voulait me dire merci. Je me suis inquiété pour rien, en fait. Quoi qu'il en soit, je te suis bien redevable de m'avoir aidé. Tiens, c'est pour toi. Nanab, d'accord. Oh, ça prend de la place dans mon stuff, il y en a une. Il y en a une seule. Alors, bon, Mustébo, c'est toujours pas fait. En même temps, j'en ai capturé quelques-uns et... jamais la taille qu'il faut. Il y a forcément un feu follet quelque part par là. J'en suis certain, à 100%. Tiens, voilà, t'es sûr. C'était évident, genre, ils allaient pas ne pas en mettre un dans cette zone-là. Il doit y en avoir un par zone au sens large du terme. Évidemment qu'il doit y en avoir un là. Très bien. Encore 5 flammes à trouver. Ah, ah ouais. Ah, il y en a peut-être dans les maisons. Mais en tout cas, on peut déjà récupérer une récompense. Vas-y, pourquoi on peut pas monter sur Cerbelin là? On gagnerait tellement de temps. Je vais aller voir de l'autre côté du coup. S'il y en a encore 5 dans la zone, bon. Ça va peut-être le coup, hein. 2 dans des maisons. 1 ou 2 dans le grand bâtiment. Non. Après, il y a une lueur, donc si tu vois pas de loin, c'est que c'est pas là. Hein. Ok, vas-y, on va TP au verger. Comme ça, on va récupérer, pardon. Ah bah, tiens. Nickel. Ah, mais si c'est 5 par 5. Non, mais c'est sérieux. Ah, je tourne la tête, j'en vois un. Attends, on va déjà... pas encore prête. Ah bon. Bah, pourtant, je suis sorti. Bon, admettons. Attends, on pourra pas passer par là. Ouais. Ok, on peut repartir de l'autre côté. Nickel. C'est pas une impasse. Encore 3 dans cette zone. Oh, attends, c'est peut-être en extérieur, en vrai. Mais attends. C'est Rigged. C'est un peu toujours les mêmes cachettes. Hein. Genre, il y a un angle où c'est totalement obvious. Il y a encore des derrière de bâtiments. Genre là. Allez. Non mais... ah, donc je pense qu'il y en a dans les bâtiments, hein, du coup. Encore une. Je me demande bien où peut être la dernière. Ah, j'ai rien dit. J'ai rien dit, c'est pas là. Ok, je suis mauvaise langue. Ok, j'avoue, j'ai... j'étais persuadé. Attends, c'est pas fini. J'ai pas dit mon dernier mot. Ah merde. Oh non, il m'en manque une seule. Oh non, c'est le pire cas de figure, ça. Dans un recoin comme ça. Non, ça, j'ai déjà vu, du coup. Oh merde, attends. Parce que si c'est 5 par 5, je vais absolument récupérer la dernière de la zone avant d'aller lui reparler. Merde. Peut-être dans... ouais. Non, pas par là. Il y a des creux à l'arrière du gros bâtiment. C'est un peu du backseat. Mais je vais pas te cacher
que j'aurais jamais pensé. Par contre, si c'est pas ça... Ah là là, la sentence, ah, j'aimerais pas. Dors jusqu'au soir bah non, on est déjà la nuit, là. Putain, ouais. J'ai été fainéant. J'ai pas bien regardé. Vu que tu avais déjà regardé, je me suis permis. Ouais, non, non, je comprends. C'est faire. Alors, ça me dérange pas. Ok, du coup, on va avoir deux récompenses. Donne-moi des trucs de fou. C'était un grand travail, hein. Oh my god! Des objets évolutifs? Oh non! Attends, des objets évolutifs, c'est énorme! C'est génial! Ok, du coup... Bon, on va vouloir ranger, bien sûr. On veut faire du croc éclair partout. Il y avait quoi à faire dans la première zone, déjà? On voulait faire de l'XP pour Pachirisu, parce qu'on en a besoin pour avancer pour la quête principale, de toute façon. Déposer... non, comme ça. Ça aussi. Tiens, il y a même quelques crafts à faire, potentiellement. Oh, on veut en faire quelques-unes. Ça, je suis pas en manque de Super Bowl. Je crois qu'on va aller vendre les Mass Balls. Je pense. Hyper potion. Ça prend pas de slot. Très bien. Je trouve pas que le jeu manque un peu de vie. Oh, le village surtout. Faire des achats. Non, justement, je veux vendre. Il me les reprend 30 Pokédollars. Oh, t'es dur. Il est dur en affaires, hein. Voilà, 20 comme ça. C'est ok. Attends, mais si j'ai des galets azur, pourquoi je peux pas faire de plume ball? Il y a un troisième item à faire avec? Enfin, il y a un troisième... Ah non, je peux en faire. Bah oui, c'est bon. Bah alors, qu'est-ce que je raconte? Merde, non, pas du tout. Oula, je suis perdu sur mes inputs, là. Voilà. Du coup, on a dit qu'on voulait faire... ah oui, mais attends, Krixi, elle me demande Krixi, j'ai toujours pas fini. Hein. Croc éclair. Croc éclair, puis on va aller refaire Galopin. Hein, pour l'XP de Pachirisu. C'est Micromania. Non, non, je respecte Micromania. Ils ont ouvert 10 minutes plus tôt aujourd'hui. Grâce à eux, j'ai pu lancer le live plus tôt que ce que je pensais. Donc aujourd'hui, je les adore. Le problème, c'est qu'aucun PNJ ne se déplace. Ouais, faudrait au moins qu'ils aient des attitudes, quoi. Mais là, je vous rejoins totalement là-dessus. Hein. Je cherche pas les discrets. Hein. S'ils sont encore là, j'en profite. Après, si c'est pas des brefs, c'est des tourmis ici. Hein. Ça me va aussi. Donc, on dégomme tout le monde avec Croc éclair jusqu'à Galopa. Il a vraiment des pop. Après, faire des combats à plusieurs ennemis, là, je sais pas si c'est vraiment worse. Parce que du coup, tu perds un tour... Enfin, tu les regardes attaquer... c'est peut-être plus galère qu'autre chose, au final. Ah, c'est bon. Je l'ai chopé. Et il file pas. Impec. Ok, on va y arriver. Mes efforts vont être récompensés par des fiches complétées à 100%. Attends, mais il y en a tellement maintenant. Croc éclair, on est à 4.
Ouh, on est à 14 sur 40. Oh là là. Puis une vidéo de prévu avec ton avis sur ce jeu un peu détaillé. Ouais. Ce sera plus intéressant plutôt que. Enfin, ce sera plus intéressant de faire une vidéo où je peux écrire ma pensée et tout. Plutôt que répondre toutes les 5 minutes à la question. Alors que. Bah, peut-être que ça peut évoluer aussi avec le temps. Puis à chaud, ça veut pas dire grand chose quoi. Je peux penser à un truc et puis le penser 3 jours après quoi. Parce que si je suis grave hypé le premier jour et que le lundi. Je me dis, ah bah j'ai pas envie de jouer au jeu. Bon. C'est qu'il y a un truc qui va pas quoi. Bah, tu fais une vidéo pour expliquer le principe des nouveaux IVEV? Ouais, ça pourrait être pas mal. Parce que c'est un peu particulier. Ouais, ça mériterait. Mince. Ah, on peut retourner voir s'il y a Evoli. On peut aller à son spawn, c'est par là. On n'est pas loin. On y arrive quoi. Oh, le taux commence un petit peu à me saouler là. Le taux de suite. On peut en envoyer plus que deux. Bien ça. Tu en es où dans le jeu? Bah j'ai pas mal avancé dans la deuxième zone. Je sais pas si ça t'aide vraiment à voir. Bah après si t'as vu les streams, d'autres streams qui sont plus avancés ou si t'as joué toi-même, ça te parle peut-être. Ok, je le vois. Repérer. On va faire fauchage avec un sécateur. Quoique, non, on a peut-être pas besoin de faire ça. Ah, il faut lui donner à manger en plus à Evoli. Non, merde. Mais putain, j'aurais dû préparer un item pour lui casser la gueule. Bon, je me suis pas bien pris. Enfin, quoique, non, la baie, comment il m'a chopé en fait? Non, j'ai pas encore de nymphalie. Not yet. Encore un croc éclair avant la baie mépo. J'ai pas encore croisé de Togepi. J'ai capturé un Togetic avec un lancer de Plume Ball exceptionnel, mémorable, historique d'ailleurs. Bah, plusieurs lancers de Plume Ball historiques d'ailleurs, parce que. Sans exagérer, bien sûr, hein, en toute modestie. Parce que il était dans le ciel, au pif, et j'avais que la plume ball pour ça. Et j'ai bien réussi mes lancers. Ouais, je connais le nombre de poké, mais peut-être qu'ils veulent pas savoir. Je vais éviter de dire à voix haute, mais hein, tu trouveras facilement le nombre de poké total. Sur Cerebi ou Poké Kalos. Hein. Tu l'as hit avec la baie? Ah oui, c'est vrai, il y a eu le bruit, c'est vrai. Je lui ai fait du mal, c'est vrai. Mes excuses. Allez, encore un. En vrai, on peut faire des crocs éclairs sur Galopa. Hein. Non, ça fait quand même deux Evoli que je vois filer. Je reconnais que c'est pas très sérieux. Hein. Les combats sont fun ou ça ressemble à la série de base? Non, ça ressemble pas du tout à la série principale. En fait, moi ce que je trouve dommage, c'est que jusqu'ici, j'ai pas trouvé que les combats de boss y ait besoin vraiment de se creuser la tête pour les battre quoi. Enfin. Après, c'est tout le temps comme ça pour moi. Donc, bon. Ouais, ça veut jamais rien dire pour moi, mais. Je considère que il pourrait y avoir des trucs qui pourrait y avoir plus de challenge quoi. Dans le sens où ouah, quoi que en vrai il y en a peut-être pour les gens parce que si moi j'établis un plan pour battre un boss pour le battre alors que je suis pas censé avoir le niveau pour le battre, c'est que un joueur lambda il a besoin de se creuser la tête plus. Ouais, admettons. Merde. Merci Bart Zabo pour le prime, merci beaucoup. Attends, mais non, là je suis au truc des Moustébou et là, Galopa il est là. Ouais. Il est full life, Luxio. Ouais, vas-y, go lead avec lui. On peut faire ça. Ouais.
il faut lancer dans le dos de toute façon pour avoir l'initiative. Une autre baie ici. Ah, il est pas surpris, non, quand même. Il attaque avant moi. Bah, pas de croc éclair de la part de Luxio, en fait. Hein. Changement d'avis. Dans ce cas, il faut pas que Pachirisu meure. Hein. C'est le seul qui doit prendre. Enfin, c'est le seul qui doit absolument rester en vie. On va faire feu ensorcelé. Oh, les dégâts sont pas dégueux. Hein. C'est franchement bon à prendre ça. Ah, j'ai raté. J'aurais pu la faire en strong style pour améliorer la précision. On se fait pas de HKO. Attends, mais il a fait rapide avant de faire. Ouais, il vient de tuer du coup. Ouais. Ah, c'est bien joué. Combo rapide in tout puissant. Et il a récupéré sa stat. Oh, bah du coup, ça va pas servir à grand chose. Bah, go et tout Raptor. Les combats de boss sont prédéfinis ou c'est aléatoire et limité à rencontre? Bah là, Galopa, c'est la troisième ou quatrième fois que je l'affronte, je crois. Attends, j'ai deux tours là? Ah oui, il vient de faire un strong, un move puissant. C'est pour faire un H-Cutter? Ah bah non, c'est un sécateur, ça ne deviendra pas un autre Pokémon. Enfin, je crois pas que ça fonctionne comme ça. Est-ce qu'on essaierait pas de capturer? Parce que là, on a de l'avance, là, dans le combat. Ok, bon, tant pis. J'aurais dû faire en light. Enfin, en rapide. Oh, il est que niveau 23. Mais bon, après, je vais récupérer le bonbon. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, attends, sans ça, je peux peut-être me TP. Il a maîtrisé une capacité. Ça peut toujours m'arranger. Non, ça, je vais garder pour d'autres quand même. J'ai pas besoin de ça pour battre le Ursaring. C'est pas nécessaire. On en est où des crocs éclairs? Encore 17. Bon, ça va être un truc de long terme. On va pas faire ça en boucle pendant 3000 ans. Et je pense que c'est le moment, d'ailleurs, j'y pense, de s'arrêter pour la troisième. Pour la cinquième partie. C'est la cinquième partie sur YouTube. Ouais, je pense que c'est le bon moment pour s'arrêter. Du coup, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas, bien sûr, à laisser un pouce bleu. Bien sûr, comme d'hab, même si, bon, à la fin d'une vidéo de 2 heures, je sais pas si encore beaucoup de monde, mais n'hésitez pas, petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce qui s'est passé dans cette cinquième partie. Je vous dis rendez-vous demain pour le prochain replay, évidemment, sur la chaîne YouTube. Et je vous dis rendez-vous aussi bientôt. Je suis en train de faire mes intros comme quand je suis trop turbo fatigué. Bon, en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et je vous dis rendez-vous demain pour la prochaine vidéo, prochain live sur YouTube. Salut tout le monde.